Une journée récréative avec ces gars qui sont là. Ils sont en bas là, le cœur chaud. Pourquoi Wakanda? Je te jure. Ils ont dit quelque chose. Ils ont envie de monter pour venir renchérir sur nous. Non, mais aujourd'hui, on renchérit. Ah! Nipsep. Non, mais les Francs, même là. Comment nourriture des troupeaux, ils ont donné nom à ça aux États-Unis, iguane. Les gros Dieu est tombé, peut plus magouilles monter. là. Ils ont donné nom Pourquoi c'est aux la tribu? États-Unis, les iguanes. Joli nom qu'on s'appelait pas que les infos de là-bas mangent. Tellement Maguya devient gros même là. Tellement il devient gros là même. Là, Piego peut pas grand chéri. Il peut pas. Diego, il dit, il sait où on prend Maguya. Si tu as mangé iguane aux États-Unis là-bas, toi-même tu connais où. Là-bas, ton ami a fait doigt d'honneur. Doit donner à chien. Il avait... à chien, il est venu s'agenouiller pour demander pardon au chien. Patience. Il a perdu la bonne humeur. Il n'est plus de mauvaise humeur. Il est triste. Il ne mange plus. Hey, Seigneur, viens déjà t'excuser auprès du chien. Ça, quand il quitte là-bas, là. Et voilà, Il quitte aux si c'était son États-Unis là-bas. frère, si Et c'était puis il son vient frère, se du coup, jouer les pourquoi il a dit Django. là? Il a dit ton Il vient se maudit. jouer les Django si ses frères en Afrique ici. Il veut dire, hey, vous là, alors qu'ils se mettent à genoux devant un chien. Puis Fatou m'a dit, I'm Fatou m'a sorry. dit, Fatou m'a I'm dit que sorry, big box. Big box, I'm sorry. Le big box. la bouche, Ah, le Fatou m'a box dit, même. la partie qui a fait mal au monsieur là, c'est que c'est son patron qui l'a appelé. T'as vu, non? Va t'excuser. T'as la même là. Je devais dire, fais une vidéo pour t'excuser. C'est que d'abord, tu fais une vidéo, tu t'excuses et puis maintenant, Et puis il paraît que son le patron a chien maintenant, crié tu sur tends lui. maintenant vers lui. Son patron a crié sur lui. Non, ils ont crié sur lui. Si tu veux pas faire la prison, va t'excuser. Go to excuse you patience là-bas. Et puis dit, yes boss, yes, I'm go to me, excuse me. Et puis regardez, il arrive. On dit, vas-y, Milou qui est couché là-bas, qui est couché, il est tout triste, tu vois, doit donner ta vie. Bonne veille. Il voilà, c'est Bonjour réveillé tout là, fait le monter les gens. Oui. Ben, j'ai écrit, j'ai dit, faites votre demande parce que je vais l'arriver. Ben, hier, j'ai tout raté de tous les bébés. Et quoi, la nuit, pardonnez, mettez-moi à jour parce que moi, je rate toujours les bébés. J'étais endormie. Même on a dormi la nuit aussi. On a dormi. Si tu vas te faire là, il y en a là. Ah, Comment donc, ça, on a dormi la nuit? Je suis, voilà, elle m'a demandé, elle va aller, elle s'en demander pardon au Solido. Elle dit, elle lui demander pardon parce que elle est sûre que vraiment, on a renchéri sur son problème. Le solide, il a Là, juste pas le. non, Attendez, vous êtes non, non, nombreuses à attacher le solide, la hein. bougeoise, c'est pour les Oui. mauvaises nouvelles. Non, la bougeoise Ah est pour les bon? mauvaises. Mais c'est Hier, pas les sûr, même mauvaises. dans les On commentaires. doit demander pardon. Parce que hier, c'est que la Mais bougeoise ne a fait jamais mal. m'attacher Hier. le solide aussi dans les commentaires. La bougeoise, tu as renchéri sur le Non, solide encore? non. Non, Fatou, il est en non, train de renchérir sur le chien. Yes, non. Si, renchérissais sur le chien de mes parents. Ah, le chien qui a encore lui a fait doigt d'honneur. Bon, attends, Stevie, je te raconte. On dit aux États-Unis. D'accord. Aux Attends, Fatou, États-Unis. c'est Fatou qui a participé à ça. Fatou n'a qu'à raconter. Ah, Fatou est monté. Oui. De l'ONG, I'm sorry. Elle a Fatou Caramel. Elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Elle Bonjour, était bonjour. Mais présente. Fatou n'est pas monté, hein. Fatou en bas, hein. Fatou en haut. Oui, Fatou, qu'est-ce que t'es d'être vigilant? Mais on la, moi, je la vois pas. Fatou, Elle n'est pas là, démute-toi. hein.
Moi, je la vois pas. Mais moi, la vois. Ah, moi, ah, tu vois, moi. Je... Sylvie, tu la vois? Mais Fatou est là. Ah, tu vois, moi, je la vois pas. Mais elle parle pas. La présence de I'm sorry. L'ONG, I'm sorry. Elle est tombée maintenant. Elle va, elle s'en va, elle va chercher le bon réseau pour venir nous expliquer. Est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas allée, elle n'est pas en train de, parce qu'aujourd'hui Fatou est devenue, Fatou se promène partout avec son téléphone, son iPhone 15 Pro Max 1 Tera, parce que j'arrive pas, elle enregistre tout et tout et tout et tout. Hein. C'est mais vous voyez tout le monde, tout le monde écrit en commentaire, on la voit pas, on la voit pas. Hein. C'est là que vous qui la voyez. Non, elle vient de descendre là. Non, mais même avant, même avant, les gens ne la voyaient pas. Moi, je la voyais. Ah, les gens dans les commentaires disent qu'ils ne la voyaient pas. Ah. Un gars qui est parti, il a vu un chien. Fatou dit quoi? Je suis couché. Tu veux monter, Fatou, d'appeler Waka ou c'est pas la peine? Mais on a besoin du témoignage de la présidente de l'ONG. On a besoin de pieds hommes. Pieds hommes, mais où? André, il est parti dormir. Je ne sais pas, mais je suis tombée. Sinon, ma demande était là depuis. Avant que les mamans se deviennent, tout ça. Non, elle dormait. Waka dort. Toi-même, tu connais. Si. Donc, non, je veux dire que. On dirait qu'elle a accepté, mais je ne suis pas arrivée à monter. J'en ai envoyé depuis. Donc, voilà, mais... les gars, la présente est là. Elle va nous parler un peu. Elle va finir par essayer de résumer un peu comment il arrive à faire à 7h. Il faut laisser mon vieux père tranquille. Lui, il clash très mal. Hein. Il s'appelle New Jersey 24. Ah là, bon, hein? Que Denis depuis là. Oui. Mais est-ce que nous, on parle du vieux père, on parle de l'histoire? Écoute-moi, je t'explique. C'est lui et puis Modo qui ont fait les funérailles de Bob Lee ici. Là. C'est lui qui a te moqué ici. C'est lui. La bourgeoisie, on aime les problèmes. Qui est qui? On a l'avoir problème comme ça. Vous avez tenté une vie forte depuis là. Qui est Piki? À quoi j'arrive? Non, pardon, vidéo, tu vas... J'ai capturé. C'est bon, non. C'est bon, partout c'est bon. Je t'ai dit. La bougeuse, la bougeuse. Voilà, Anna, je te jure, Anna. On aime tellement renchéri. Bon, voilà. Voilà, moi aussi, vous voyez mon chihuahua là aussi. Un ennui comme ça. Lui là, viens lui faire doigt d'honneur tout à l'heure. Parce que, franchement. Hé! Hey! Dis à toi-même, tu as louché. Je te jure. Ah, moi qui aime les chiens, mais c'est toi. Dis à toi-même, tu as louché. Maman, c'est caniche. Maman, elle aime les gros chiens. Elle aime le gros chien. Non, là, bouge toi-même, tu as louché chez toi. Je te jure. Mais moi, franchement, moi, je ne fais pas comme eux, ils font pour eux, là. Yeah. Tu fais. Moi, là, c'est trop exagéré. Tu fais. Je dis, on est parti, c'est Yako à chien. Yako à chien dans le clinique. Il dit, tu mens. Oh, Yako. T'as un chien pour bâton. Voilà, vous avez chaud, en tout cas. J'ai chaud, mais vous pouvez en mettre. Il va courir vos âmes. Vous allez arrêter de rire ici. Il est tout capturé. Il y a le Johnny Pacheco là. C'est le modèle Johnny Pacheco. Vous avez dit le. Après, il a enregistré. Bon, j'ai quitté le réseau 2 jours. Et puis toi aussi, tu enregistres. Oui, Fatou, donc il va venir nous frapper quoi. C'est nous la première, toi. Bougeons, fermé son micro. Quelqu'un va changer sa photo bientôt, ouais, son nom. Hey Dieu! Bon, mais il y a les deux amis, il y a mes apparences seulement, mais bon, mais. Bah, nous ne pouvons pas enregistrer la partie là.
Il y a changé, il y a un fils, il y a un appareil. Non, je aussi, blague. Ouais, en fait, je vous explique. Écoute, moi, je blague. Hein. Mais tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, sauf que je n'ai pas enregistré et puis je ne vais pas lui envoyer. Mais il est sur TikTok. Il a déjà monté ici même. Il a déjà monté chez Wata ici plusieurs fois. Mais enfin, tout le monde ne savait pas. Je ne savais pas. Si vous regardez les commentaires et puis lisez. Mais Fatou, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Dominique, il travaille à la poste. La poste, là, c'est fédéral. Donc, ils ont tous, il est peut-être en enclos là-bas, il est cadré, il ne peut pas sortir, mais il est en train d'aboyer comme s'il va le manger. Donc, il se moquait du chien et il lui a fait un doigt d'honneur. Encore les gens, là, ils ont Ring. Je ne sais pas si vous connaissez l'application, même moi, j'ai ça. Genre, si tu sonnes à ma porte, il voit ton visage et tout. Donc, il a fait le doigt d'honneur au chien et le propriétaire a vu ça dans la caméra. Donc, ils savent qui vient livrer. Parce que tout est répertorié, tout est adressé, tout est numéroté. On sait qui est venu à telle heure chez vous pour vous livrer. Donc, ils ont appelé la poste, ils ont parlé. C'est facile, hein, ça, là. Même moi, si je m'énerve, ils mettent à la poste que, par exemple, je parle à... C'est pas comme en France et aux États-Unis. Je dois spécifier ça. Tout le monde qui vit aux États-Unis, puis qui est d'un parti en France, il sait. Je te jure, ici, là, affaire de customer service, là, non, on ne blague pas. Service consommateur, là. Nous, on sait. Viens et voir. Oui, donc, on sait, chez nous. Moi, le courrier que j'ai reçu, c'est un problème. Le courrier, là. On sait qui a livré le courrier, là, chez moi. Je n'ai pas parlé du côté même qui a livré. Je parle du respect du client. Blague pas avec ça, en fait. Ce côté-là, tu ne peux pas venir. Donc, il dit qu'il a fait doigt d'honneur pour se moquer du chien, vite fait. Après, son supervisor, on appelle toujours ton superviseur. Quand ils vont venir là, ou ils vont appeler, ils vont dire qu'ils veulent parler au manager. Le manager, maintenant, va regarder pour savoir qui est allé. Bon, ils savent déjà, puisque c'était pas quelque chose de genre là, faussé. On lui demande. C'est pas pour ça aussi qu'on va le virer, mais ça peut devenir un gros truc aussi. Hein. Parce que c'est ce qu'il mettait dans les commentaires. Un chien, il est considéré comme un être humain ici là. Il est considéré comme un... C'est pas seulement un être vivant. Il est comme un être humain ici. Tu peux pas faire du mal aux animaux. Hein. Tu vas aller en prison. Quand Baba nous parle de ces chiens, les gens, ils sont là, ils rigolent. Tu penses que le chien, c'est quoi? Souvent, les chiens, là, on va le sauver d'abord avant de sauver le chien. Échographie des chiens, tout ça. Mais ça, c'est commun. Ah. C'est courant, même. Même les chats, les trucs, là. C'est impossible. Tu sais qu'il y a des gens qui gardent ses pas. Il y a des gens qui gardent ces pans dans la maison. Ils sont pleins comme ça dans les États-Unis. Pleins. Leur animal de compagnie, c'est ces pans. Regardez, il a expliqué une histoire. Il y a un là. Et puis c'est la vérité. Si vous pouvez regarder ça dans le news, il avait acheté un tigre. Il avait acheté un bébé tigre. Avec Gaïa. Je sais pas c'est que. Il a acheté son bébé tigre. Il a élevé son bébé tigre. Quand le bébé tigre est grand. Le bébé tigre l'a fait presque de 300 tonnes. 300 quoi là? 300 kilos, bien quoi. Et donc, je sais pas, il a ramené un petit chat dans la maison. Quand il a ramené le chat, le tigre, il n'était pas content. Il a commencé à gazer le chat. Donc, lui, il adore les animaux. Il ne voulait pas que son chat se fasse befter par son. Mais il sait qu'il a fait une bêtise. Donc, voilà le monsieur qui va courir pour aller à l'hôpital. Il ne veut pas aller où. On lui demande c'est quoi qui t'a mordu. Il m'explique et il ne sait pas c'est quoi. Voilà, mais si, son maître. Et il veut pas, on lui demande c'est quoi qui t'a mordu, il raconte, il ne sait pas ce qu'il a raconté, c'est chien ou après c'est gros chien, je ne sais pas quoi. On dit non, ça là, c'est pas chien. Donc là, ils ont pris son adresse, parti regarder dans la maison, là, ils entendent devant la porte là-bas. Tu es en train de faire va et vient dans la maison. Donc, ils ont lancé caméra, ils ont mis un petit truc pour regarder, ils voient Gaïa tigre dans la maison, tigre, les tigres tibétains. Donc maintenant, comment ils vont faire? Et puis, il n'est pas dans maison, il est dans immeuble. Quand on raconte les histoires des gens ici, là, il est dans immeuble. Si vous voulez, là, il y a un gars qui fait une story dessus, mais c'est en anglais. Comment tu peux habiter avec un tigre dans un appartement à l'immeuble? Non. Si il y a déjà son enfant, attends, maintenant, comment ils vont faire pour faire sortir les tigres? Ils ont mis Gaïa cage devant la porte. Hein? Ils sont là tout fait, ils sont à la fenêtre. Ils ont pris les snipers là, pour venir tirer ce tigre là. Genre, ils ont dosé avec tranquillisant. Donc, Tigre est tombé là-bas, il a dormi. Maintenant, ils ont mis Tigre là dans la cage. Là. Ils ont pris Tigre là avec en bas.
ramener ça dans un coin où il peut être épanoui avec les autres tigres là-bas. Et puis lui, on l'a mis en prison. Il a mordu sa tête, il a mis l'heure maintenant. Il a mordu le bras. Mais quand elle a commencé à bien crier, là, tu l'as laissé. Il est parti se cacher dans la chambre pour faire comme s'il est triste. Il savait qu'il avait commis une bêtise. Maintenant, voilà, voilà patron qui coupe, voilà là, à l'hôpital maintenant. On dit, mais toi là, ça c'est moi aussi d'un fauve. Oh, toi aussi, les crocs comme ça là, bien pointus. Ça me dit, Américains sont affairés. Ils sont venus jusqu'à chez lui là-bas. Ils sont venus jusqu'à chez lui pour regarder. Ils ont le temps, hein. Si c'est pour faire enquête là. Hein. Et moi, ça même. Ah oui. Non, mais si ça l'a mordu, ça peut attraper n'importe qui après. S'ils ne font rien. Il ne faisait pas sortir son gros tibou. Il y a une histoire. Ah, le gars là, il a fait story dessus. Le jour que quelqu'un va rentrer par inattention. Edo, tu connais Hamza, non? Un quoi. Tu connais Hamza? Le jeune là, Hamza, qui fait des histoires morbides là. Il est arabe. Vous voyez qui c'est? Lui, il fait en français. Oui, mais maintenant, il y a un autre là qui est d'Angora, même lui, il fait en anglais. Mais lui, c'est l'un des premiers à avoir commencé. Donc, lui, quand il fait, lui, il fait en anglais. Lui, il a mis la story là-dedans avec les images et tout. Ils ont même pris la photo du tigre quand ils sont venus tirer tranquillisant. Le fait civique. Tu as le droit. Ah, vraiment? Non, parce que là-bas, on descend. Après les enfants, la femme, après la femme, les animaux, et puis les hommes viennent en dernière position, on dirait. Oui, c'est ça. Les animaux, parce que les animaux, même, ont droit que les hommes. Hein. Ouais. Tu peux pas. On appelle ça. Regarde. Quand tu maltraites les animaux, on appelle ça animal cruelty. Cruauté sur animal. Mais tu sais que beaucoup de tueurs en série, là, ils ont commencé par les animaux aussi. Quand ils étaient petits, ils tuent les animaux par-ci, par-là. Ils aiment voir les choses mourir. Donc là, eux, ils jouent pas les trucs de billets. Genre, comment tu te comportes avec un animal? Si tu maltraites un animal, c'est que tu peux maltraiter un être humain, tu vois. Ils ont leur manière de voir les choses. Et puis, c'est un peu logique, hein. Tiens. Non, mais les hommes, même là. Les hommes, hein. Moi, ils disent ça. Les hommes, même là, ils sont mal vus, hein. Les hommes. C'est triste, quoi. C'est ça, hein. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Il y avait un jeune en Italie qui braisait chat dans la rue. À son carrefour, je ne sais même pas, est-ce qu'ils n'ont pas rapatrié même? Le groupe va... Pierre de Ben, c'est comment? Il va partir en prison. J'ai oublié notre deal là, mais. Je te tiens au courant. Je te rappelle. Mais je t'appelle. Ici, il y a au travail. On ne peut pas se reposer dans ce pays-là. Il y a quoi encore? On doit faire ça, mais en direct. Attends, on voit. Attends, il met. Elle fait quoi? Elle dit quoi? Attends, c'est ça. Je sais qu'il n'y a pas de béret. Il n'a qu'à nous libérer un peu. Yeah, elles sont parties comme ça. Blou, blou, blou. Elles sont toutes tombées. Regarde Ben. Elle dit quoi dans son live? Mais elles sont parties où? Hi. On dit elles passent bien en live, elles sont toujours en même temps. Okay. Ah, elle dit qu'elle est tombée. Waka. Waka va se réveiller encore. Qui est mon même profil, c'est qui m'a fait tomber d'ici. Je pense que c'est la même chose qui arrive à Fatou. Mais Fatou va aller bien, elle va aller bien s'assurer d'abord avant de revenir.
Ce béret là. Elle va dire même ses femmes, hein. C'est sa photo, elle a mis là. C'est la photo. C'est une belle dame, hein. C'est une belle dame. Hey, et puis Fatou va dire ça soit là-bas. Hein. Tu connais Fatou. Là, c'est pour aller bien mal le grand encore. Sinon, tu connais Fatou. Fatou, son pas là, finit pas. Ouais. Maintenant, tu sors ou sors sur toi. Voilà. Ah, bah, tu sors à tes crabes poilus qui traînent, qui sont sans abri, qui cherchent à ce que les personnes les pêchent pour aller les garder dans leur maison et puis les doloter. Là. On n'a rien à foutre ça. Ils seront sans abri toujours. Voilà, des SDF. On aura affaire à toi, le vieux. C'est-à-dire que la personne te dit dans la coin, on n'a pas affaire à vous, on n'a pas votre temps, vous ne comptez en rien, vous n'êtes pas important. C'est-à-dire qu'on ne vous voit même pas, vous voulez forcément vous donner de la contenance. De quoi il s'agit là? Hein? De quoi il s'agit? On n'a pas envie de faire des clashs à vous. Vous avez vu que la vie, c'est aussi ma clash. Tu n'as pas pu avoir la visibilité que tu as cherché tant dans ta vie. Tu es venu lutter avec tes petites soeurs et en plus avec des femmes. Oui, maman. Aïe! T'as quoi qui s'est passé? Je suis la vie, non? Faut pas le mettre échanger. Il dit, comme il est immature, moi c'est lui, il dit, c'est lui qui m'a cité. Comme il est immature, on dit, ouais, je vois, il va y être échanger. Il est un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que tu dis? Il est immature, le vieux là. C'est un vieux, mais on le laisse. Il sort, son mec. On sait tout ça là. Et puis là, il a fait un groupe de clasheuses aussi, hein. Ça est qui même, il ne comprend rien. D'accord. Oh, je dis, je m'a cassé un papo. Hein. Quel chien même? Il est quoi? Voilà. Un vieux poilu comme ça, écoute encore, ça tremble toujours. Ça, c'est ma chanson, ça. Voilà. Ça ne veut pas qu'il y a bagage derrière elle. C'est pas même. On a bagage qui est derrière là. Hey. Moi, je savais que si je lançais ma demande comme un dollar, ça, je crois qu'on va pouvoir monter facilement. Comme ça, il a continué ici en même temps. Comme c'est mon sujet là, je suis assis ici aussi. Comme c'est mon sujet là. On t'a dit, hey, garçon, parce que depuis que tu regardes, c'est moi qui calme le jeu. Je dis, laissez ce monsieur, ne vaut pas la peine. Si tu es garçon, il faut sortir et puis tu as fait live sur nous pour nous répondre. Tu allais chanter chanson de Alpha Blondie. Go wawa, les chiens aboient, la caravane passe. Le seul aboyeur qui a eu ce TikTok ici, c'était toi. C'est toi qui as fait des lives en un point fini. Est-ce que les autres, c'est des panélistes? C'est pas des panélistes. C'était le seul à faire des lives en un point fini. C'est toi des chiens, des... Si y a rien qui est gros chien. C'est-à-dire que tu as aboyé pendant des semaines. C'est bien toi. Tu as déjà ton museau, tu as aboyé pendant des semaines. Si tu as embrouillé la... J'aime, c'est ma personne, donc je ne peux pas permettre ça. Je préfère quitter là. Je vais quitter l'autre, quand même, je ne peux pas mettre. C'est parce que c'est parti dans les yeux là. Voilà. C'est le bien, t'as bien mal dans les commentaires là-bas. Yeah. C'est le game. Elle est quittée ici là. Mais moi. C'est le game. Elle est quittée ici là. Hein? Il a dit qu'elle est quittée ici hier matin là. Il n'y a pas de GM. Son direct là. T'as pas vu son direct? Il y a vu, mais c'est le but de nous séparer de GM. Mais je ne peux pas. On était sur un sujet. Non, dit que tu étais dans les commentaires là-bas. Non, il y a un seul commentaire. Hein. Il y a vu les gens qui étaient dans les commentaires. Tu as fait un commentaire pour dire que vous tous là. C'était tous ces petits qui étaient. Il a dit que. C'est à vous les haineux. J'ai loupé. Qu'est-ce qui était là-bas?
Non, mais hier, là, il t'a indexé aussi, Edwige. Hein. Il t'a indexé. Hein. C'est pas que, c'est pas question de nous séparer des JM. Lui-même, là, il n'y a personne qui veut nous séparer de lui. C'est lui-même, là, qui ne fait pas les choses comme il faut. On a qu'à reconnaître aussi des fois. Il exagère un peu. Il faut arrêter. Qu'est-ce, ce qui s'est passé là, là, avec le Solidar, qu'est-ce qui va. Déjà, même là, toi-même, tu es monté hier, là, tu as tué le discours. Est-ce qu'il avait besoin de venir renchérir encore là-dessus? Le discours est mort, c'est bon, on arrête là. Plus besoin d'expliquer ce qui s'était passé, ce qui ne s'était pas passé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il recherchait? Franchement. C'était trop ce qu'il a fait là. Et non, mais tu as raison, tu as le droit de ne pas rentrer, mais bon, il exagère. Si nous, on peut le dire, nous, on va le dire. Franchement, je n'ai pas pour habitude d'insulter les gens. Je ne vais même pas le faire parce que voilà. Il est plus âgé que nous. Je suis d'accord. Oui, mais quand c'est. Oui, moi, je ne vais pas le faire. Mais quand c'est abusé, il faut le dire. Il exagère. Ne pas connaître sa place. Voilà. Tu as défendu un dossier, tu as perdu. C'est fini, on passe à autre chose. Tu ne vas pas prendre les gens pour ennemis. Ah, tout le monde a renchéri. Il a blessé beaucoup de personnes dans cette histoire. Mais les gens, là, ils s'en foutent, ils sont passés à autre chose. Mais toi aussi, passe à autre chose. Mais tu ne vas pas attendre les gens à chaque carrefour quand il y a un petit dossier pour venir leur faire comprendre qu'ils sont mauvais, ils sont haineux, ils sont ceci. Alors que toi-même, tu n'es pas sain dans l'histoire. Il faut arrêter aussi. Il faut arrêter à un moment donné. Ah. Il est là, il persiste que oui, moi je ne défendais pas lui. Mais tu défendais, quand tu continues de la défendre, il faut reconnaître. Tout j'entends, il dit que les gens sont passionnés, mais toi tu n'es pas passionné. Jusqu'aujourd'hui, c'est quelle affaire qui ne tenait pas. Jusqu'aujourd'hui, affaire est finie. Mais il a gardé dedans comme. Affaire du solide là, il n'a rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. Tu es venu, au lieu d'arranger, c'était déjà fini même. Il dit que il pourrait dire que non, soit relater les faits, il dit que non, comme c'est fini, tout le monde s'est rentré dans l'ordre, c'est bon et autres. Mais tu as bien dit que oui, deux TikTok univers. Tu vois un peu, nous on pensait que c'est, on dit oh, on prend pas. Tout ce temps-là, nous on a cru que c'était l'amusement. On disait oh, on prend pas là. Tout parti, on a divorcé. Il n'a même pas le sens de l'humour. Et il dit moi, ça m'a pas plu, hein. Ça m'a pas plu. Elle m'a mis en haut là-bas pour venir me donner TikTok univers. Moi, là, on me fait pas cadeau, hein. Moi, on me fait pas ça, hein. Mais ça veut dire quoi? C'est là maintenant on a commencé à le prendre au sérieux. Mais ça veut dire quoi? Ça m'a fait de parler. Aïe, il a comment envoyé? Comme s'il était blanc comme neige dans l'histoire. Et là même, il parlait, il avait une manière de parler. Il parlait mal même à la marraine. La bourgeoise, pardon, on va pas renchérir là-dessus. La fait passer, pardon. Nous, là, on entend parler des JM. Faut laisser le monsieur là. On a fini la tuile. Non, bon, d'accord. On pourrait pas parler du solide. Mais je veux dire que JM n'avait rien à voir dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Le problème était déjà réglé. Lui, il est revenu. Quand il est revenu avec ça, En même temps, c'est que, en même temps, le gars, il disait oui, c'est vrai. Parce que, en fait, le but, c'était ça. De remuer le couteau dans la plaie. En fait, même c'est lui-même qui a fait que Edwige s'est énervée et puis elle a parlé mal au solide. Non, c'est le solide même qui a fait parce qu'il a traité les gens. Il a dit que c'est même pas JM. JM n'a pas à. Oui, Edwige, non, attends, je t'arrête là. Non, tu as pas, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, je laisse tomber. C'est quand JM a renchéri là. C'est qu'il a emmené à reparler encore. Est-ce que tu comprends? Sinon, si JM n'avait pas renchéri là, je ne pense pas qu'il allait parler encore. Et l'affaire allait rester comme ça. Mais c'est parce que JM l'a emmené à renchérir qu'il a dit cette connerie et c'est ça qui t'a énervé. C'est ça, en fait. Effectivement. Sinon, JM, il pouvait donner son avis pour dire que non, ce qui s'est passé sur l'autre panel là, c'est pas ça, tant. Mais comme tout est rentré dans l'ordre, c'est bon et autre. Voilà, c'est fini. Et puis on passait à autre chose, mais il est venu lobby. Et puis il dit qu'on lui donne pas la parole. Hein? J'aime vraiment. Son problème est trop. Comme quelqu'un l'a dit là, il est toujours sur l'envoûteur. Il y a ce que le pros est payé de sa tête. C'est ça qui lui fait mal. Et parce qu'elle a juré pour dire que c'est faux, que tout ça là c'est des mensonges, qu'ils sont en train de raconter des mensonges. Parce que quand les gens sont en train de faire des témoignages là. Il dit non, que ça c'est des témoignages qui sont faux, vous n'avez pas les preuves. Les personnes qui sont allées témoigner là, il faut qu'ils partent porter plainte. Maintenant, les personnes sont allées porter plainte. Ils ont arrêté la femme à cause de ça. Ils sont fâchés, ils ne comprennent pas. Donc, la justice. Tout ça, ils disaient que l'histoire était vraie.
si les témoignages étaient vrais, pourquoi on ne l'arrête pas? Si les témoignages étaient vrais, pourquoi on ne l'arrête pas? Mais non, mais toi, c'est toi qui as joué les défenseurs à Tugdo jusqu'à présent, même, il a du mal à digérer. Il a du mal à digérer. Est-ce qu'on le prend qu'il lui a fait du mal? C'est lui qui lui a non, dit. Franchement, lui, il a menti. Vilbo, franchement, ça reste à elle quoi? Elle par rapport à quoi? Elle a ça donne l'impression qu'elle a envoûté le monsieur là. C'est que même hier, même Chef Adaman, c'est ce que Chef Adaman disait. Il dit que il comprend pas ce qui arrive à son ami. Il ne comprend pas ses réactions de ces derniers temps-là. Il comprend pas. Depuis l'histoire, il ne comprend pas comment il réagit. Que on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne comprend pas. Mais que de lui donner du temps, de lui donner du temps, on espère que ça va s'arranger. C'est un monsieur qui refuse la défaite. Il a perdu dans cette histoire-là, il ne supporte pas. Il pensait c'est pas tout que son problème. Voilà, il pensait pas que ça allait se retourner comme ça. Au fait, il s'était lancé un défi, un objectif, et il pensait être dans une faculté qui était rien que du folklore. C'est tout. Les preuves qu'il avait là, c'était pas des je sais pas. Ils ont menti au fait. Ils ont menti à GM et il n'a pas se braquer contre nous en fait. C'est ça. Il n'a pas se braquer contre nous. Le vrai responsable de ce qui s'est passé, c'est en fonction des informations que nous avons reçues. Voilà. Donc, le mieux, c'est de s'excuser auprès d'un falsifiable. Parce que c'est elle. Ça, c'est des dossiers à défendre. Il y a tellement de dossiers qui viennent. Si tu combats, tu n'as pas fait une fixation sur ça là, c'est fini, c'est fini. Même celle-même qui risquait la prison, même elle est sortie, elle te pardonne. Hein, vous avez repris. Mais c'est bizarre. C'est difficile, hein. Moi-même, ça me gêne. Ça me gêne, c'est vrai qu'il s'en prend à moi, mais ça me gêne même de cette situation. Ça me gêne. On peut toujours régler. Moi, je pense que quand Waka va se réveiller et tout, quand on va lancer une directe, on va faire une directe pour essayer de rassembler tout le monde, en fait. Non, franchement, moi, ça me gêne parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup. Et puis, voir comme ça dans les trucs, moi... À quoi ça? Moi, je donne mon avis sans l'insulter, sans faire chose. Si vous avez remarqué, je ne vais pas dans l'excès avec lui. Je donne uniquement mon avis. Et puis, bon, franchement, hier même, sur le panel de Babani, je suis montée, mais je dormais. Je les écoutais, j'écoutais l'audio que tu as mis. Et puis, le monsieur endormi. Après, je suis descendue. Et même Mandaï, moi, j'étais, en tout cas. Mais franchement, pour dire que... En fait, JM a mis son image... La situation ne me plaît pas. Son image de factualité et tout. Pour lui, c'est pas comme s'il défendait la fille. Et c'est pas comme si, d'après lui, est club. Infatibia aussi n'arrive pas à s'en défendre, à reconnaître les choses. Quand on dit JM de tourner la page, est-ce qu'Infatibia même a tourné la page? Infatibia même n'a pas tourné la page. Depuis qu'elle est sortie, elle est sur ce dossier. Elle est dessus. Donc, c'est pas JM seul qui n'a pas tourné la page. Voilà, j'aime quand il arrive quelque part, il se sent gêné, il se sent dérangé. Même dans les commentaires, ça se voit. Même quand même on prend les paroles et tout. Quand il essaie de dire quelque chose, on revient dessus, en attachement. C'est gênant aussi. Il faut qu'on arrive à trouver une solution et régler ce problème. Pour que les gens puissent voir que quand on est sur un dossier, quand le dossier est fini, on n'a pas besoin de se séparer. C'est la même histoire qui s'est passée avec cette histoire de Emma Louest là. Quand on a fini de défendre le dossier de Emma Louest là, mais il y a eu des cassures. Moi, on savait que j'étais déjà en parlant avec eux. JM, il est parti demander pardon. Parce que je sais pas s'il me trompe, mais il sait que ils avaient fait un direct et il est monté là-bas à essayer d'expliquer c'est pas quoi. Pour Emma, ça c'est pour JM. Mais il y a eu des cassures au niveau de Sylvie et au niveau de Waka. On en est là jusqu'à là. C'est après un dossier qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Et là, on revient encore sur le même truc. C'est-à-dire qu'on peut plus faire des débats, finir un débat ou bien rechercher ce sujet, puis après se remettre encore pour discuter. Et ça, c'est difficile. Il faut qu'on arrive à se ressouder encore. Savoir que c'est pas personnel, même si c'est que la personne dit, on met sa manière de rechercher, tu as comme l'impression qu'il est contre toi, mais c'est tes ennemis à se diviser, à créer de la rancœur, et ça commence en clash, et puis il y aura des gens qui seront dans leur coin. On tente tous ensemble. C'est chic, en fait. Si on arrive tous ensemble à se mettre sur un panel pour voir